élevons nos pensées vers Dieu. Demandons l'autorisation de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. La mélancolie. Savez-vous pourquoi une vague tristesse s'empare parfois de vos cœurs et vous fait trouver la vie si amère? C'est votre esprit qui aspire au bonheur et à la liberté, et qui, rivé au corps qui lui sert de prison, s'épuise en vain effort pour en sortir. Mais en voyant qu'ils sont inutiles, il tombe dans le découragement, et le corps, subissant son influence, la langueur, l'abattement et une sorte d'apathie s'emparent de vous, et vous vous trouvez malheureux. Croyez-moi, résistez avec énergie à ces impressions qui affaiblissent en vous la volonté. Ces aspirations vers une vie meilleure sont innées dans l'esprit de tous les hommes. Mais ne les cherchez pas ici-bas. Et à présent que Dieu vous envoie ses esprits pour vous instruire du bonheur qu'il vous réserve, attendez patiemment l'ange de la délivrance qui doit vous aider à rompre les liens qui tiennent votre esprit captif. Songez que vous avez à remplir pendant votre épreuve sur la terre une mission dont vous ne vous doutez pas, soit en vous dévouant à votre famille, soit en remplissant les divers devoirs que Dieu vous a confiés. Et si, dans le cours de cette épreuve, et en vous acquittant de votre tâche, vous voyez les soucis, les inquiétudes, les chagrins fondre sur vous, soyez fort et courageux pour les supporter. Bravez-les franchement. Ils sont de courte durée et doivent vous conduire près des amis que vous pleurez, qui se réjouissent de votre arrivée parmi eux, et vous tendront les bras pour vous conduire dans un lieu où n'ont point accès les chagrins de la terre. François de Genève, Bordeaux. Il est vrai que souvent, sur Terre, nous trouvons des gens tristes. Et cela, malgré le fait que l'horizon est large, que le temps est beau, et que la vue est belle. Parfois, cela ne suffit pas, car cette tristesse, cette mélancolie est intérieure, et nous avons du mal à la comprendre. Nous avons beau faire ceci ou cela, mais rien n'y fait. C'est en nous. Et si nous nous trompions? Oui, car en fait, c'est notre façon de voir qui importe. C'est notre pensée qui peut donner cette orientation à notre vie. Nous pouvons voir le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est nous qui avons le choix. Alors, lorsque nous sommes ici sur Terre avec cette vision bien trop courte, qui s'arrête à la matière, il est plus qu'évident que nous pouvons chercher partout sur Terre et nous ne trouverons pas ce qui peut nous rendre heureux, pleinement heureux. Car cela est en nous, dans notre nature. Et nous pouvons y accéder à ce bonheur. Alors, il faudra un peu de temps, sûrement.
mais beaucoup de bonne volonté. Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons sortir de cette mélancolie passagère. Et puis, à force de répéter encore et encore, nous y parviendrons. Nous parviendrons à être heureux, à avoir ces petits succès, à avoir ces petits moments qui sont si importants. Un moment avec un ami sincère, fidèle, toujours dévoué, toujours auprès de nous, et que nous ignorons tant de fois. Vous était déjà arrivé de vous sentir seul et d'oublier cet ami qui est là auprès de vous? Eh bien, cet ami, c'est notre guide, un sincère ami, fidèle, qui s'est engagé auprès de nous pendant ce laps de temps sur Terre, ce court moment passé ici. Nous sommes bien ingrats, car si nous prenions le temps de l'écouter, il nous dirait de nous réjouir, car nous venons d'un passé bien plus triste, et nous allons vers un avenir bien plus heureux. Alors oui, sur Terre, ça chahute parfois un peu, mais ce chahut n'est rien lorsque nous le rapprochons de cette paix, de ce bonheur intense qui nous attend, que nous allons constater parce que nous aurons fait les bons choix, nous aurons fait quelques pas, fait quelques efforts, changer une pensée ou une autre, commencer à sourire. Et puis, c'est en nous occupant de façon utile que nous allons y parvenir, ce que l'on appelle le travail. Occupons-nous d'être heureux. Et le sourire revient vite. Notre mission est diverse ici. Nous pouvons être là pour donner de la valeur à ce travail matériel, pour créer une famille, pour créer une petite entreprise. Nous pouvons aussi être là pour enseigner, partager, faire rire, faire rêver, donner un peu de joie à celui qui se retrouve comme nous hier dans cette mélancolie. Nous pouvons aussi être là pour servir. Servir à quelque chose de plus grand. Et si nous nous posions aujourd'hui et regardions dans cette direction, qu'est-ce qui est plus grand que ce moment de tristesse, de mélancolie? Voyons. La pluie ne tombe pas éternellement. L'orage finit et passe. Et le soleil, le beau temps revient. Eh bien, c'est la même chose. Une fois que nous sommes passés dans ces différents mondes encore très primitifs, nous serons heureux de constater ces lieux plus paisibles, plus accueillants, plus chaleureux, plus fraternels, où le mal n'existe quasiment plus. Et même dans certains mondes,
il n'existe plus du tout. Alors, mettons-nous en chemin. Tâchons d'être heureux maintenant. Tâchons de nous occuper et de faire ce ménage de nos pensées. Ne gardons que celles qui sont heureuses. Rejetons toutes les autres, bien trop tristes. Et bientôt, nous pourrons enfin comprendre que c'est ainsi que nous allons progresser et parvenir à voir ce que nos amis, les anges, nous indiquent. Et oui, nous sommes des êtres de lumière et il nous est important d'entretenir cette lumière et de la faire grandir pour qu'elle brille au loin et réchauffe, donne vie, donne espoir et permette à tous de faire ainsi pour que l'obscurité s'évanouissent, disparaissent à tout jamais. Et alors, nous aurons compris que, en partageant un peu de notre sourire, nous allons allumer une vie ici ou là. En éclairant notre cœur, nous allons égayer bien d'autres cœurs. Certains sont près et d'autres loin. Peu importe, la distance n'existe plus. Car il suffit d'une pensée, d'une action, d'un sourire, d'une intention, d'une bonne volonté. Et nous sommes auprès de celui qui importe. Rappelons-nous, notre occupation principale est de nous occuper de notre bonheur. Peut-être que ce n'est pas pour de suite, mais c'est maintenant que cela se passe. Que cette journée soit paisible et lumineuse pour tous. Sourions à la vie, car elle nous sourit déjà. Que la paix soit en chacun de nous. Remercions tous nos frères qui sont auprès de nous, tous ceux qui pensent à nous. Et allons vivre heureux notre journée. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il.